Ces images sont fascinantes, comme un voyage hypnotique. Ma caméra va tout doucement dans Paris, où tout bouge vite. L'auteur, c'est lui, Mayol Akpovi, un photographe en mouvement, dans des lieux uniques, comme la terrasse panoramique de cet hôtel. C'est magnifique ici. Ah oui, c'est vraiment le rêve, ça, c'est énorme. Avec la Tour Eiffel, enfin, les Invalides, Saint-Sulpice, enfin, on a vraiment tout Paris, en fait, on a tout Paris, comme ça, en 360 degrés. Le secret de ces images, un appareil photo avec une technique, le time-lapse, un système de prise de vue à intervalles réguliers. C'est quoi le principe ? Le principe, c'est dès que l'intervalomètre déclenche, donc je prends une photo, je me déplace, je déplace le trépied et je recadre mon plan. Voilà, donc là, ça s'est déclenché et du coup, je me déplace. Et du coup, je recadre encore mon plan. Je peux même faire un kilomètre en me déplaçant. Je l'ai déjà fait, hein. Plus d'un kilomètre. On peut montrer tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Il y a 2 ans, quand il achète son premier boîtier, il n'avait jamais touché un appareil. Ce Béninois de 33 ans rêvait de la France. C'est par Besançon qu'il la découvre. Dans cette ville, il se fait la main avec cette première vidéo. Ingénieur en informatique à Paris pendant 4 ans, il se rend compte qu'il n'a aucun cliché de la capitale. Quand il retourne travailler en Franche-Comté, c'est le déclic. Depuis que j'ai découvert cela, je me suis dit, mais c'est vraiment ce qu'il fallait ou ce qu'il faut pour que je puisse retourner montrer en fait Paris comme ça. Parce que j'ai dit, je n'avais pas de photos de Paris, maintenant je vais en avoir 10 000. Eh bien, je les ai. Ces milliers de photos transformées en quelques minutes de vidéos ont fait le tour de la toile. Plus de 50 000 internautes, de New York à Pékin, fascinés par le temps qui passe. À Paris, on n'a jamais le temps. Je fonce, je cours. Et donc, du coup, c'est vraiment pour montrer aussi Paris dans ce sens-là. Paris qui bouge, Paris qui est tout le temps en speed. Vraiment, je trouve que le concept, ça s'adapte vraiment à Paris. Le savoir-faire de Mayol Akpovi a été repéré par Paris et d'autres capitales du tourisme. Sa nouvelle raison à lui de parcourir le monde.